on passe pour l'explication de notre leçon d'aujourd'hui, c'est la grammaire pour l'expression de la circonstance. L'expression, qu'est-ce qu'on dit pour l'expression? L'expression, c'est-à-dire, on peut dire une phrase, ibara, jumla, d'accord? Donc voilà, l'expression de la circonstance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les noms compléments circonstanciels. Les noms compléments circonstanciels, on l'explique. Le nom complément circonstanciel indique maintenant, indique dans quelle circonstance se déroule l'action exprimée par le verbe. Dans quelle action se déroule, c'est-à-dire, par exemple, j'ai mangé, donc voilà, hier j'ai mangé une pomme. Donc voilà, circonstanciel, j'ai mangé une pomme, comme ça pour bien expliquer. Donc voilà, regardez la phrase. Hier, pourquoi j'ajoute le mot hier? J'ai mangé une pomme. Le mot hier, c'est un temps de passé. Voilà, temps de passé. J'ai, la lettre G. Voilà la lettre G, c'est quoi? Si je, c'est le sujet. C'est le premier pronom personnel singulier. Le premier pronom personnel singulier. A-I. C'est quoi A-I? Conjugaison, pas d'application verbe. L'auxiliaire, avoir, oui, ou présent. Ou présent. Manger, c'est le participe passé. Le participe passé, du verbe manger. Le participe passé, dit le verbe manger. Une pomme. Je n'ai une pomme. On analyse cette phrase. En français, qu'est-ce qu'on dit? Le complément. C'est un complément. Il y a un complément. On a plusieurs. Il y a un complément. Donc j'ai. Je voilà, on n'a pas avant, d'accord, une préposition. Donc, le sujet, le verbe, le complément d'objet direct. Mais là, je vous garouline, regarde. Le nom, l'ism, complément, circonstance, indique, meda, indique dans quelle, meda, circonstance, donc voilà, dans quelle, quelle circonstance se déroule. Elle se déroule, meda, l'action. Voilà, exprimé par le. Où est l'action là? Je n'ai l'action là. L'action, il y a le verbe. Donc, l'action, manger. Exprimé par le verbe. Donc, se déroule l'action. Quand se déroule l'action de manger. Meta. Intesh. Quand meta, se déroule l'action de manger. C'est hier. Donc voilà, le nom complément circonstanciel, c'est un nom circonstanciel de temps. J'ai mangé une pomme dans la cuisine. Donc avec la cuisine, je rangolo, complément circonstanciel de lieu. Mais complément circonstanciel de temps. Vous avez compris donc? Donc, restez quoi le complément? Les compléments circonstanciels sont très nombreux. Donc, les compléments, ils viennent zéro. Je connais mon mail. Parmi les plus fréquents, on peut citer. Les accents ici, mais là, je connais mon mail. Le complément circonstanciel de lieu. J'ai mangé une pomme dans la cuisine. Donc, avec la cuisine, qu'est-ce que c'est le complément circonstanciel de lieu? Il y a le mécan. Voilà qui répond aux questions. Qui est-ce à ouvrir? Où, d'où, pourquoi? Où, d'accord, tu n'as mangé la pomme. Fin que tu fais. Aina? Dans la cuisine. Dans la cuisine. Le complément circonstanciel de lieu. Il y a
نجاوبوا على هذاك السؤال او اين ولا بو لا بار او لو كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير كومون دونك جي مانجي اون بوم فوالا افيك مي دون سو لو مون سي با داكور كوبي افيك لو كوتو ما تقطعهاش بالموس كليتها بسناني يعني الطريقه باش كليتها دو مانيير Le complément circonstanciel de manière qui fait ce qu'il y a. Ou ce qu'il y a vite, ou je dis maintenant le couteau, le mot, ou qu'il y a. Donc je n'aurai pas le meilleur. Réponds question comment, qui fait ce qu'il y a, de quelle façon, je n'ai pas l'air, de quelle manière. Le complément circonstanciel de prix qui répond aux questions combien, hein, maintenant. Ah, hier, j'ai mangé, ou non, plus bien, j'ai dit, j'ai mangé trois pommes. Donc, je vais vous dire combien. Donc, voilà, c'est combien, à quel prix le complément circonstanciel de mesure, hein, donc de mesure, donc ça dépend autre chose. Voilà, comment dire les mesures, mais qu'est-ce, le qu'est-ce, donc je vais. Voilà, qui répond aussi combien le complément circonstanciel de moyenne qui répond aux questions avec quoi, avec qui, quoi, donc avec qui, même une critique, là, je connais même, rien sur le suite. Aussi, répond aux questions avec quoi, à l'aide de quoi, avec le couteau, hein, j'ai mangé, d'accord, une pomme avec, coupée avec le couteau. Il y a une pêche mentale, الوسيله باش كليتها قطعتها مثلا بالتفاحه كوم لا باستيك باستيك سي كوم ديال دونك كيفاش ناكلو ناكلو بسنانو شنو هي الطريقه جيت القوام وكل شكون اللي قطعتها كيفاش كليتيها دابا راني قطعتها بالموس دونك هي الطريقه باش انا كليتها فوالا il existe d'autres moyens exprimés دونك عندنا واحد الوسائل اخرى واحد الادوات اخرى exprimer كتعبر لينا على لي سيركونستانس مثلا بحالاش لي زونفون جو دون لا رو regarde les enfants jouent le sujet les enfants c'est un sujet ou الفاعل ها شنو النوع ديالو d'accord c'est un nom commun pluriel masculin pluriel جمع masculin joue c'est le verbe jouer au présent de l'indicatif Et dans la rue, complément circonstanciel du lieu, ville qu'il est Bouma, dans la rue. Kamel travaille avec ardure. Donc voilà, c'est complément circonstanciel de manière, c'est-à-dire tarifa. J'ai payé 100 euros comme frais de dossier. Donc j'ai payé et deito. Donc voilà, c'est le verbe payer au passé composé. 100 euros, donc voilà le prix, hein, comment on fait pour payer, comme frais de dossier. Voilà, comme frais de dossier, c'est-à-dire ma tarif, elle mille. Dans ce cas-là, c'est-à-dire le prix, le complément circonstanciel de prix. Le paysan, donc laboure le champ avec le tracteur. Le paysan, donc voilà, laboure le champ avec le tracteur, comme on dit dans le. Voilà, dans la campagne, hein, en général, c'est le tarif, le bédia. Comment on fait, comment la terre, yani, kifash kanhartou, kifash kandirou pour, comment on dit, pour s'aimer les grains, ou bien les grains plutôt. Donc voilà, kifash kanzalou, hna, l'houbou, kifash kanzalou, les céréales, souma l'houbou, houma, les céréales. Le paysan, donc le flair, laboure le champ avec le tracteur. Donc voilà, tariq, kifash hna kan ilarire, ou chna wa le champ, ou l'haqal. Kifash kanhartou l'haqal, bach, tariq, واحد الوسيلة اللي هي كتسمى لو تراكتور سيت فاليز اي لور il fait au moins 10 كيلو دونك voilà les mesures hein la valise voilà le comment on dit le poids de la valise c'est un comment on dit c'est le poids c'est-à-dire le وزن ديالها dans ce cas-là on dit la mesure donc vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire d'accord les expressions Qu'est-ce qu'on dit On a les expressions, on a bzaf, c'est-à-dire plusieurs expressions pour, d'accord, le complément circonstanciel. De manière, de moyen, de prix, de lieu, de temps, etc. Vous avez compris? Oui. Ça devrait faire aussi un alphabet, le moyen et le moyen.